Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, hier nous avons attaqué ce premier album ici. Enfin, cette première partie d'album photo, pardon. Et ici. On va continuer du coup ensemble à faire la suite. Bon, mon mastico. Aujourd'hui, nous allons faire quoi? Aujourd'hui, nous allons faire ceci. Donc ici, j'avais mis 10 cm. Nous, on va voir pour mettre 8 cm. D'accord? Si vous souhaitez mettre 10 cm, vous mettez 10 cm. Il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire deux feuilles. Alors, je vous explique. 8 et 8, 16. Là, j'ai quoi? J'ai les 16. Donc, ça, c'est bon. Hop là, je vais couper. Pourquoi j'ai dit 8 et 8? Oui, 16, je cherche. Voilà. Donc, attendez, j'ai dit 8. 8. Ok, 8 et 8. Ok, ok, ok. Je vais faire tout de suite parce que je sens que je vais faire une boulette. Voilà. Donc, on fait un pli. Ici. À 10. À 11. Et à 12, on coupe. Voilà. On fait pareil sur le deuxième. Hop. À 10, à 11 et à 12, on coupe. Voilà. Là et là. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, hop, ça de côté, je reprends un papier. Oui, alors ce sont mes chutes que je récupère. Donc là, donc on retire nos marques. Ici, nous avons 10 par 8. Donc, il nous faut 11 par 10. Donc, deux papiers de 11 par 10. Là, j'ai quoi? J'ai pas assez. Je vais mettre de côté. Ils me serviront plus tard. Donc, j'ai dit 11 par 10. Donc là, je coupe à 11. À 10 là, donc là on a là 8 et là 10, donc 10, 1 et 2, voilà, comme ça, là, ici et ici, d'accord, et on viendra le coller ici. On va pas le coller tout de suite parce qu'on va faire comme pour l'autre, on va venir arrondir ici. D'accord? Donc je le colle pas tout de suite, je vais juste ici et ici. Voilà. Hop, et de 1. On fait la même chose avec l'autre. Donc, on a dit à 10, on coupe et un pli de chaque côté. Je marque mon pli et je biseaute. Voilà. Ça va pour la deuxième. Donc ça, c'est notre page numéro 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer ensemble nos pages. Après, sur fond de musique, je mettrai mon papier décoratif et on collera ensemble les autres pages. D'accord? Donc on prend la suite. Donc là, c'est bon. On a fait. Maintenant, on va faire cette pochette-ci. Donc, cette pochette-ci. Déjà, on va faire le fond ici. D'accord? Donc, ici, nous avons... oui, c'est ça. Ici, nous avons 0,5. D'accord? Et c'est là que je me rends compte que je voulais justement agrandir. C'est pas grave, on va décaler ces deux pages là, d'accord, parce qu'ici j'avais 1,5, sur l'autre j'ai mis 2 cm et là du coup j'ai fait que 1 cm comme sur celui-ci, mais en fait je voulais faire 1,05, donc c'est pas grave, on va intervertir ces deux pages là
vous pouvez très bien le faire également. Hein. Donc, hop, ici. Du coup, il nous faut cette page-ci qui fait, alors, hop, je prends ma règle, 4, 4,5, 18, 18, et du coup, je vais rajouter 1,5, 18, 19,5 et 1 cm, ça fait 20,5. Donc, hop là, on prend une feuille de, alors, je disais, 20,5, ici, sur, en hauteur, 18. Hop là. Alors, on va faire un pli, ici. Donc, j'ai dit, hop là, à 4 cm. Et à 4,5. D'accord. On retourne. On fait un pli. Non, on va continuer dans ce sens-là parce que sinon je vais me tromper. Ensuite, on a 14 en plus. Donc on fait un pli à 18,5. C'est ça. J'ai 14. Non, j'ai 13,5. Hop. Donc à 18. On plie et à 19,5, on plie encore. Voilà. Hop. Donc, on plie. Ici, on plie. Ici et ici dans l'autre sens. Hop. Et là. D'accord. Hop. Voilà. Je vais arrondir ici. Donc là, c'est le devant, d'accord, avec le rabat. On va venir faire la pochette qu'il y a ici. Donc, pour la pochette qu'il y a ici, donc, pour faire la pochette ici, on va prendre une feuille de... donc la hauteur d'ici c'est 18, il nous faut 1 cm ici, 1 cm ici, donc 18 ça nous fait 20, d'accord, 20, et ici on a 11 plus 1 cm, 12, donc je vais couper ici à 12 cm, hop là, faire un pli à 1 cm ici, ici je coupe à 20 et je viens faire 1 cm de chaque côté. Voilà, je viens marquer mes plis et biseauter. Hop là. Voilà, donc celle-là, elle va aller ici. Pareil, on va devoir arrondir, je mets de côté. Hop là. Donc après, je vais mettre tout mon papier décoratif et on viendra assembler les pages ensemble. D'accord ? Ensuite, nouvelle page. Hop, là. Et là. Ici. Donc, celle-ci. Beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Donc, nous avons. Donc là, on a, il nous faut 1 cm. Là, on a 14. D'accord ? On est à 15. 15. Et là, on a, j'ai dit 15. 13,5. Et là, non. 13 et là 12,5. Donc j'ai dit 15, 25 et là on a 28. Si je dis pas de bêtises. Donc on pourrait le faire d'un bloc. Hop. C'est ça, il me dit 27. Ok. Donc on prend une feuille à 4. Hop, on n'est pas sorti assez ici. On va prendre 18 cm de hauteur. Hop là, ici. On va faire un pli de 1 cm ici. D'accord ? Hop, je le mets dans l'autre sens. Donc, on a dit qu'on avait 14. Donc, à 15 cm, je fais un pli. Et là, on a 13. Donc, j'ai dit à 28. Du coup, hop là, ici, je coupe. Donc, on a ici, pour coller notre page,
et ici, là, d'accord. Il nous reste un rabat à faire. Je vais prendre une chute, hop là, ici. Du coup, je vais, désolée, hop, j'ai mis ne pas déranger et en fait, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. J'ai dit 12,5 je crois. Ça m'a perturbée, ma petite sonnerie. C'est ça. Donc, hop, là, voilà. Donc, 18 en hauteur. Est-ce que j'ai mon 18 ici? Non. Est-ce que j'ai mon 18 ici? Oui. Hop, voilà. À 12,5, on plie. Et à 13,5, on coupe. Hop là. Je marque mon pli ici. Alors, je vais coller au double face parce que je vais gagner mon temps. Hop là, là. Hop là. Voilà. Je viens biseauter. Et je vais venir le coller. Hop, je fais juste ça. Voilà. Ici. Ensuite, ici, on va faire une pochette. Donc, est-ce que j'ai du vin quelque part? Ici. Hop là. Alors. On va. Et on a, j'ai dit, je crois que c'est 4. Non, 5. Donc, il nous faut 20 sur 6 cm. Et on fait un pli de 1 cm sur 3 côtés. 1, 2 et 3. C'est pareil, je marque et je biseaute. Là. Et là. Pareil, elle va venir ici, mais avant, il faut que je mette mon papier décoratif pour mettre ici. D'accord? Hop là. Donc, hop, on en est ici. Donc, toutes nos pages sont découpées. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mettre mon papier décoratif et je vous reprends après pour tout le collage. D'accord? J'en profiterai pour mettre mon double face également. Allez, à tout de suite. Je vous laisse en musique.
Bon, voilà, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, j'ai fait ici le plus gros. Donc, on va reprendre notre album photo ici. Alors, on va mettre en premier lieu celui-ci. Comme je vous ai dit, on change un peu. Là, voilà, c'est fait. Je retire du coup mon double face. Là. Et là. Hop, je vais juste pousser le temps de mettre ici. Hop. Voilà. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai oublié de mettre un aimant. Mais bon, voilà, c'est pas non plus catastrophique. J'ai oublié. C'est malin, Maric. Donc, ici, photo, j'ai pris du clématis. Je vais venir biseauter ici et ici. Je retire là et je viens le coller. Hop là, juste derrière l'autre. Hop, voilà. Donc ici, ici. Voilà. Ensuite, nous avons les deux petits ici. Hop. Alors, vous avez vu, j'ai fait comme ça. Donc, je retire ici. Hop. Et du coup, alors, bien évidemment, on laisse là. Hein. Hop. On ne colle pas dessus, on évite. Ou sinon, c'est la boulette assurée. Hop. Et de 1. Et là. Ici et ici. Et du coup, donc je biseaute les deux là. Là. On a vu, c'est vraiment très très simple à faire. Hop. Je viens retirer. J'en place. Donc pareil, toujours derrière. Un en haut. Et un en bas. Voilà. Donc contrairement à l'autre, vous avez vu, vous avez un écart. Chose qui était prévue à la base, avant que je ne me trompe. Ensuite, nous avons ici. Alors, on va venir d'abord pour coller notre pochette. Alors, je trouve que je les mets beaucoup en jaune et dans les tons violets, je trouve vraiment très joli également. Hop, ici. Du coup, là. Là. Et là. Et là, du coup, nous avons une pochette. On ferme ici. Et ici. Donc, nous avons notre rabat ici où là, on avait donc du coup aucun centimètre d'aisance. Et on vient le coller ici. Et c'est pareil, juste derrière l'autre. Voilà. Ici. Et ici. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre un papier décoratif ici. Et je vais prendre quoi? Bah, je ne sais pas encore. Hop. Qu'est-ce que je peux prendre? Hmm.
Il reste plus grand chose en grand papier du coup. Hop, je vais prendre lui. Okay. Ici et ici. Hop, j'ai perdu ma marque. Là. Et là. Donc, j'encre. Et je peux... que j'aurais pu mettre derrière en fait ce papier là. Mince. Hop. Je vais faire là et j'ai oublié qu'il y avait du derrière à mettre. Voilà. Là. Et du coup, il nous reste toujours ici. Et. Je vais mettre. Et du coup, on recommence ici et ici. Voilà. J'encre. Et je colle. Et voilà, ici. Voilà. On a fini du coup. Notre tuto, donc il me reste à faire un livret ici que je ferai hors caméra, deux petits ici, pareil, hors caméra, donc les grandes photos c'est des 6 par 9, les grandes, pardon, des 10 par 15, et les petites des 6 par 9, ici, ici, alors ici je n'avais rien mis, je n'en mettrai rien du tout également, et ici un livret, ici je n'avais rien mis, je pense que pareil, je verrai, soit je mettrai un livret, soit je ne mettrai rien du tout, juste un peu de décoration ici, donc là. Là, là, et là, on ferme. Donc, voilà. Hop, hop. Et enfin, compte. Ici, j'aurais dû faire que 1,5 et non 1 cm, en fait. J'ai été perturbée par je ne sais quoi. Et du coup, ici, ouais. Ou alors ici, rajouter 0,5. Bref, je vais y arriver à faire ce tuto correctement un jour. Donc, voilà. Je vous réserve... Pour la suite, j'ai le temps d'étudier un petit peu mes prochaines pages, mais je vous réserve un petit album photo, un autre mini comme ça, avec des pages différentes à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup ce système-là, mais je vous réserve ça très très prochainement. Le temps de travailler un petit peu mes pages. Donc, je vous retrouve du coup l'heure de ce premier tuto avec la vidéo de présentation. Moi, je vais finir tout ça et on se retrouve très très vite avec un prochain album. Allez, bisous bisous.